Salut à toutes et à tous, on est dans Polygame, on est sur Hearthstone et on continue notre aventure sur Naxxramas. Il nous restait un quartier à faire, qui est le quartier des assemblages, avant de passer aux choses un peu plus sérieuses la semaine prochaine, avec l'antre du Wyrm de Givre. En attendant, 4 boss pour cette semaine. On commence avec ce monsieur-là, ce truc-là. Ça s'appelle un recousu. Recousu est confectionné avec des morceaux d'aventuriers qui n'ont même pas réussi à battre le chroniqueur chaud. Et pour ce recousu, on va sortir un mage. Enfin, une mage. On va sortir Jaina. En attendant que ça charge et que ça lag aussi en passant. Ça lag. Fais un jeu de mots avec ça, tiens. Câlin, monsieur Miggleswars, qui est le chat de Kel'Thuzad qu'on peut trouver dans. Jaina! À l'entrée de Naxxramas, en fait. Recousu! Recousu va jouer! Vous l'avez cherché. Alors. C'est moyen. Alors, vous pouvez le voir. Enfin, d'ici de quelques secondes. Voilà, il est violent, clairement. Donc on va la provoquer quand même un petit peu. Bonjour. Jouer ? Bien joué. Oui, jouer, jouer. Merci. Jouer ? C'est nul. Bref, vous voyez que ce monsieur n'a absolument pas de carte. Il est directement fatigué. Son sort permet de détruire un serviteur. Et son arme, en fait, dès qu'on va la détruire, elle retournera dans sa main. Voilà. Après, l'histoire de Recousu, c'est le premier boss du quartier des assemblages. Il fait... Il est pas spécialement difficile, c'est juste qu'il fait un petit peu mal, en tout cas quand on est du bon niveau. Donc quand on va dans un raid niveau 80. Et il enrage au bout de 5 minutes. Bon, aujourd'hui, c'est facile de le battre. Voilà, c'est tout. Donc, il faut le tanker d'eau au raid. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc, on commence directement. Et on va lui virer son arme, en fait. Travail terminé. Voilà. Et ça lui coûte 3 de mana. Il en a que 1. Ça, c'est 4 de mana. Donc, normalement, il est tranquille pour 1 ou 2 tours. Maintenant, on réfléchit un petit peu. On va mettre ça. 2 provocations, plus une autre provocation. Et on l'attaque. Travail terminé. Maintenant, il faut espérer qu'on repioche vite un autre lit. Bon, ça, c'est une autre affaire. Ne peut pas être la cible sur le pouvoir héroïque. Pas encore. Au prochain tour, il nous détruit un serviteur. Est-ce que la fatigue s'applique quand même sur lui? Plus jouer. Oui, méchant. Je crois qu'en fait la fatigue ne s'applique même pas sur lui. Il est immunisé à la fatigue et ça c'est pas très très cool. Voilà, comme ça au moins. On peut sauver ça. Et on fait ça. Et on fait ça. C'était prévisible. Aïe. On va sortir une provocation et on l'attaque. Qu'est-ce qu'il va me détruire? Voilà. Il ne peut pas me détruire. Il ne peut pas me détruire le dragon ferré, quoi qu'il arrive. Alors, on va jouer ça. Ça, on va le garder. Parce que 3-3, c'est quand même
quand même assez correct. Si je prends ça, je me désavantage. Et on l'attaque. En fait, la difficulté, c'est vraiment de gérer son arme et son sort. Il faut toujours avoir quelque chose sur le terrain. En gros, c'est ça. Les provocations de préférence. Et en plus, on le gèle. Comme ça, on ne pourra pas nous mettre 5 points de dégâts. Dans l'idée des provocations. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais de toute façon, nous avons gagné. Qu'est-ce que vous... Mon avatar de guerre. J'aurais dû le coudre avec de meilleurs joueurs. Voilà pour ce recousu. On se retrouve tout de suite pour Grobulus. Donc, à tout de suite.